Et salut à tous et à toutes, et bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui la suite des aventures de Life is Strange. Et évidemment, je reviens sur l'annonce qui est arrivée le 14 mars, comme quoi l'épisode 2 allait arriver le 24 mars. Il n'y a pas de trailer pour l'instant, donc je le mettrai sans doute à un moment donné. Hein, de toute manière, je pense pas être trop en retard. J'avance et puis voilà, hein. De manière j'enchaînerai puisqu'il n'y a pas de traduction. Voilà, je remercie les gens qui regardent, qui font un petit pouce vert et qui font un commentaire. Je te remercie Toto, Gecko, Hebdo qui tu m'as fait un commentaire, Dovakin et le Fidjien. Le Fidjien et Dovakin nous avaient demandé d'intervenir. Alors pour en quoi? Alors on a eu un épisode assez court mercredi, c'est pour ça que je l'ai coupé. On verra ce que fera celui-là. S'il est long, je couperai à un moment donné. Et on ira jusqu'à samedi tranquillement. Je pense que ça sera très bien ça. Donc, il s'est passé, j'ai sauvé Alyssa par rapport au lancer de ballon. Et on s'est retrouvé en sortant de la zone des dortoirs avec une Kate qui était menacée par l'agent de sécurité. Et il y avait deux choix, soit prendre une photo, une preuve, soit intervenir et réagir. Alors vous avez vu la grande différence et je pense que là on va commencer quand même à parler un petit peu du bilan parce que le jeu avance, mais vous avez vu déjà que c'est beaucoup plus lent qu'un Walking Dead. Hein. Ça, je pense que tout le monde s'en est rendu compte largement, c'est-à-dire on peut pérégriner à droite, à gauche. Chercher du contenu dans les choses, mais surtout on voit la conséquence assez immédiate des choix, c'est-à-dire la réaction n'est pas la même par rapport à ça. Alors après, est-ce qu'on aura les conséquences très vite, à très courte échelle ou à très longue échelle, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, on voit bien les choix et ça, je trouve ça particulièrement bien trouvé et combiné avec avec le jeu, c'est-à-dire que le retour en arrière permet de voir les choix et les conséquences. Je trouve ça génial. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je trouve toujours le jeu beau graphiquement, mais j'ai vu que dans certaines zones, notamment tout ce qui est herbe, je trouve que c'est moyennement fait. Il y a certaines zones d'herbe, vous verrez, hein, je vais reprendre le jeu un peu avant la séquence, vous verrez que ça laisse à désirer. Voilà, c'est la seule chose que je critiquerai. Après le reste, voilà. On va se retrouver pour faire ce choix. À tout de suite. Alors, les amis, vous voyez, hein, je voulais un petit peu vous montrer la végétation. Je trouve que là, ils ont quand même été un peu légers sur la végétation, quoi. On va se lancer dans le truc. Hein, vous avez eu suffisamment de ça. Je précise une chose, j'ai changé un peu la discussion avec Alyssa. Elle voudrait être au Vortex Club. Ça m'a un peu étonné. Bon, vous voyez, les graphismes, je trouve que les graphismes de végétation sont pas top. Allez, c'est parti pour le grand moment, les amis. Donc, je remercie toutes les personnes qui font un petit commentaire, les petits pouces verts, les partages. Fidjien, Dovakin. Toto Gecko, n'hésitez pas, hein, voilà. Et même si vous prenez en cours, allez, je peux pas pouvoir passer. Vous avez dit intervenir, on intervient. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Bon, on a déjà deux fois eu des problèmes avec lui, hein. Et on n'a pas de preuve. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Vous avez choisi ça. Un everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business. On y va. Ah. J'adore ces moments. Hein. On va vers la swimming pool ou le parking. Je pense que c'est le parking puisque j'avais reçu un message. Oh, le petit écureuil, premier plan.
C'est trop mignon. Je précise, je vais faire un peu de pub pour ma chaîne Twitch. Sans doute que mardi, vous aurez l'épisode 2 de, vous savez, Tales from Borderlands en Twitch. Vous pourrez le regarder en VOD, voilà, puisque je mets toutes mes VOD. Je vais juste discuter, hein. Avant de discuter, ouais, il y a Juliette là. Désolé pour le plan. Hein. Oh, hey Max. Sorry, I'm still screwed up. Ah, yeah. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Ok, il n'y a pas de conséquences. Je vais juste, avant d'aller, je pense que ça c'est Warren, hein. Warren G. At least Rachel Amber has people who care about her. Je vais pas aller vers Warren. Je vais essayer de regarder un petit peu la zone, parce que vous avez compris que j'aime bien... I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Ah, je peux pas y aller, ok. Là, c'est vraiment un vélo, ouais. Good thing I don't have a car yet. Who toilet papers a bike? Alors, ça, je vous le dis. Tiens, bah, vous aurez dans le coming next. Ça fait penser à une chanson des Smashing Pumpkins. 1979, je crois que c'est, hein. 1979, où ils prennent des rouleaux de PQ et ils les envoient sur un arbre. C'est classique chez les aussi pour se venger, certains professeurs, peut-être que vous avez déjà fait. Je ne veux pas dire de bêtises. Bref, c'est pas bien, hein, ce que je dis, mais bon. Pick-up, regardez. Now this really pisses me off. So entitled. Sorry, handicapped folks. My truck needs these two spots more than you do. Ah bah je suis comme elle et j'avoue que je vous donne un exemple. Il y a souvent des caisses, vous savez, personne handicapée ou personne. J'y vais jamais. Voilà, même si je dois me taper un peu plus de queue à la caisse, vous aurez. Oh, joli pied aux yeux. C'est pas une photo. D'accord. On va aller, hein. Et que des avis de recherche. Je me demande, flyer, c'est quoi le flyer là? A new surveillance system. That's how it starts. David M. Bah non, c'est comment? Quel est son nom? The whole town is turning into one giant missing persons poster. That layer of dust is begging for my finger. Oh, alors ça, je sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, j'ai déjà fait. Hein. C'est s'amuser à dessiner sur des vitres sales. Ou à la neige. Ça, c'est toujours génial. It's not a dirty window unless somebody writes cleanly on it. Oh, ça a des conséquences. Bon, les amis, je vais pas m'arrêter là parce que franchement, pour ce petit show. Est-ce que j'ai un succès? Pas de succès. Ah, si. Point focal. Alors, juste vérifier un truc. Je vais juste quand même regarder en même temps de ça après avoir parlé.
photo. Ok, un oiseau et un coucher de soleil. Ok. Hop, je vérifie hein, si j'ai pas autre chose. Donc, un oiseau, je pense que c'est celui-là, mais c'est pas celui-là. Bon, vous voyez qu'on se rapproche de la fin, hein, puisque les options, je vais aller vers Warren. Yo, Max, check it out. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il y a toujours plein de petits oiseaux, c'est bizarre. Hein. Too bad those posters will be trashed and ignored. Look at Warren in his Wayback Machine. He's a brave man. Le flyer, je l'ai regardé, je sais plus. Ah oui. Excusez-moi. Oh ben, je crois que j'ai fait le tour de tout, hein, les amis. Pas de poubelle, on y va. Allez, Warren. Come on over here, please. And there's Warren. Did he actually buy a used car? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Je vois que c'est l'amoureux. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the driving. There's one in Newburgh just... Alors là, je pense que... Bon, 1978, ça peut être une date de naissance, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un easter egg sur 1979 de Smashing Pumpkins. Mais je suis pas sûr. Hein. You're in the wrong time, Warren. And so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria... Je profite pour le dire, sur Facebook, si vous rejoignez le groupe de ce jeu, il y a des gens qui... Quoi, ils proposent un concours de gens qui se photographient avec le t-shirt du jeu, et notamment, il y avait une très belle photo d'une jeune fille avec... Le petit t-shirt de Max Caulfield en Bambi, je le dis, hein, qui est très mignon, hein, qui est très mimi. Très belle image. Hein. On voit l'oiseau au deuxième plan, je sais pas si vous voyez. Hein. C'est très très bien trouvé. Désolé si j'ai pas longtemps. Kickstarter. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, la fameuse Victoria. I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is magic. Vous avez vu les conséquences des choix qu'on a eu, hein? I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer. Paint. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, Drama Queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. It. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful. Voyez le t-shirt de Max, hein, qui est très mignon. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. J'ai l'impression d'avoir une discussion entre geeks que personne ne comprend, quoi. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you... Warren is in the house. Vous avez compris, hein, c'est Warren G. Voilà, Warren Graham, ça, c'est vraiment le... Tell me everything. C'est vraiment typiquement la même chanson que... This is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarre experience in Mr. Jefferson's class today. Elle va parler de ses pouvoirs. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right?
You're one of the Jeffersons photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? Nathan, ça. I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. Answer me, bitch. I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what? Give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. C'est un dingue, celui-là. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude. Oof. Hey, leave him alone. Nobody tells me what to do. Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom. Putain, il s'est pris une belle petite éreflure. Ah, je pense savoir. Chloé. No way. You again. Oh, il s'est pris. Get in, Max. Get your punk asses out of there now. Don't even try to run. Ah ben les gens de sécurité qui arrivent après. Ah, la petite tête du sniper. Ça aussi c'est très très Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks Chloe. Très belle. 5 years you're still Max Caulfield. Alors, je vais vous dire une chose, là il y a vraiment des jeux de lumière qui sont magnifiques quoi. Je sais pas si vous voyez mais le soleil qui pénètre dans la voiture là, c'est vraiment je prends le kiff hein. J'adore les Illuminati, ça fait deux fois qu'on le voit aussi derrière, je sais pas si vous voyez. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. Quel éclairage. I have no idea. I know he's a Prescott and an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt, and you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? No, it felt like a real city for artists. Big and bright. Great for taking pictures. Yeah, must be hard coming back to a hick town like Arcadia again. Wow. Not after seeing you. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. C'est beau, hein? Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90s. I've always loved his work. J'adore ce visage. Hein. Do, teach. C'est magnifique. Glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Quel plan, quel plan. Ah, il est tout cassé. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. Faux père, ça va être beau père. Specific tiny tools. Bird alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Super séance. L'herbe là qui est apparue, c'était pas top quand même. Super rencontre avec Chloé. Hein. Vraiment bien, bien scénarisé. Magnifique les rayons lumineux, quoi. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Il y a vraiment des moments où le graphisme est très au-dessus, puis après un peu en dessous quand même. Là par exemple,
l'image de du camion est pas top, mais en même temps c'est une vieille voiture, mais voilà quoi. Alors, ça dépendra du choix. Hein. Magnifique image de petits Zozio là. Il va s'enfuir, je pense. Ouais. Ouais. C'est donc la chambre de Chloé. Les graphismes, de quoi les potages sont sympas. C'est ce que j'ai pensé. Put on some music while I medicate. Oh, this is a flashback to you. Our super secret closet lair. Chloe's dad built this dresser. Je vais vous raconter un truc. Chloe totally changed her style. I barely recognize Anarchie. Oui, donc je disais, on est très loin de la Chloé déguisée en pirate qui était dans l'épisode précédent. Il y a toujours Illuminati, je sais pas si vous voyez. Puis alors là, il y a quelque chose qui me rappelle mon enfance. C'était quand je grandissais et qu'on se mesurait, que mes parents me mesuraient. Ça, c'est tellement énorme. Génial, quoi. Ça, c'est particulièrement bien trouvé, quoi. Nothing but junk in this suitcase. On met le pot d'alcool. Hard to believe Chloe was my BFF just 5 years ago. Okay, Chloe, a metal box under the bed equals secret. Je trouve le CD. Wow, Rachel. C'était copine. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Elle aussi la connaissait. C'était sa meilleure amie sans doute. Il y a aussi des. Alors là, c'est magnifique aussi. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel bad. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. Six she mois? Just left Arcadia. Whoa. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Un mec? Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Ça pas dû être simple pour Chloé. Can you put on some music now? Hard to believe Chloe was my BFF just 5 years. Can you please put on some jams? So it was Chloe who printed all those flyers. Ah, maintenant je comprends. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Fenêtre. We used to dare each other to climb down, but never did. Is this a desk or a storage space? She looks super happy.
Whoa. She looks super sad. She looks super sad. Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop. But I love how funky and outdated it is. She even covered it in punk stickers because Chloe... Hey, that TV used to be in the living room. I'm not into them. Too pretentious. Est-ce que j'ai quelque chose à regarder? Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. C'est quoi cette histoire? Look at that. Chloe and her dad were so close. Wow. C'est intéressant, hein, on commence à rentrer des puzzles, hein, les amis. Alors, on va essayer d'ouvrir la... Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Attends, je regarde. Hein. Carte postale, si, tiens. This postcard is from Rachel Amber. Lire, il y a marqué quoi? Ok, d'accord. Très intéressant, Zadoum. Chercher. We had such a blast drawing these together. Je regarde aussi un petit peu la boîte. Old cardboard boxes. You brought my glass snow dough. Thanks. Ok, juste vérifier un truc. This looks like a laundry bag. Juste regarder un truc. Je vais. D'accord, je vais revenir en arrière. Hein. Ça, je pense que c'est pas un choix hein. Important. On va pas s'amuser à casser la sa petite boule de neige. Le sac, on va voir ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à vérifier? Placard, on a regardé. Tiroir, on a regardé. Arc, je regarde si j'ai une boîte. Ok. On va, je pense, lancer la chaîne. Ok. Prise TV. Ah oui. Bon, si la musique est trop forte, je vais pas rester des heures et des heures, hein, je pense. Ça sent la fumette, hein. You can find tools to fix your camera in the garage. Bon, je pense que au prochain choix important, sure, I'm awesome. Je vais m'arrêter. On est tous d'accord. My step-ass keeps tools down in the garage. I bet you can find. Bon, il y a ce choix là, mais bon, honnêtement, je pense que vous regretterez pas mon choix que j'ai fait. On va avancer un peu. Hein. Ok. De la musique. Là, je sens que je vais être censuré. Alors, je précise une chose, hein, les amis. La dernière fois, je vous dis, c'est que j'ai eu des problèmes de reconnaissance de musique, donc. Donc, à faire, regardez. Wow, dark. Ouais. I cannot see anything. Je vais fort fouiller, hein. I hope Chloe isn't taking these pills. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products.
Ongwe, ok. These books have not been touched since the last decade. I see why. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. Je descends. Il n'y a pas de choix, je pense, là. Ok, là, ça a été sauvegardé. Regardez le courrier. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Ok. Kate. Ok. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. Cette photo elle est magnifique là. Quoi, ces photos sont magnifiques. I haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Ouais, ça c'est les courses. Désolé, hein, je pense que vous allez avoir un épisode un peu plus long que d'habitude. I'd love to go to Paris too. At this rate, they'll be lucky to get to Portland. Quoi ça? Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Ah ouais, voilà, ça, ce genre de truc comme ça qu'on on prend son temps. Come on, open it, chicken. Hold on, and I'm not chicken. J'ai leur plus des souvenirs, c'est génial, quoi. You drink first, Max. No way. It was your idea, Chloe. Whatever. Give me that bottle. Well, tasty, very tasty. Here, I want a sip. Sorry, this is not for kids. Don't be greedy. Give me some. Oh shit, the carpet. There's wine all over. What do we do now? My parents are coming. Cover it up. Okay. C'est sympa, hein, ces petits flashbacks comme ça, là, tranquille. Bon, le canapé est moche, hein, mais je peux pas passer. Je peux pas passer. Voilà. Ah, enfin. La tâche. Alors, voyons voir un peu. L'établi est là, mais je vais juste vérifier. Répondeur. Ça aura des conséquences, cette image, hein, je pense. I love that they have the same old answering machine. And there's a message. If you're listening, Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered... told you to stay away from that place. It's dangerous. And you've got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. Ouais. Nope. Someone locked it from the other side. Ok. On va aller vers le jardin peut-être. Alors ça me rappelle vraiment le. Brr. I can feel autumn, but William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. We made this grave for Chloe's kitty. Poor Bongo. He never saw that car coming. C'est la joie. Ah, la balançoire. Je suis sûr qu'elle va essayer. Oh, c'est génial ça. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me?
Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures. I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. Et les oiseaux à droite. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. C'est beau, hein, c'est une belle amitié. Hein. Waouh, quoi, c'est vraiment sympa, sympa, sympa. Bon, je pense que vous avez compris que je prends toujours un kiff fou à faire ça. Est-ce que va y avoir balançoire? Ok, je crois que j'ai tout checké. Ah, vraiment, c'est tous ces petits détails là, ça fait extrêmement plaisir. En même temps, je me suis fait vraiment plaisir. Hein. Voilà pourquoi j'aime ce. I guess they're aging these books. I should be able to find the tools I need here. Nothing. This is so lame. Nourriture. Look at all that food. That's like enough spam for 100 years. Check out the muscle car. Chloe's stepdad must be a gearhead. Ok, on va commencer à farfouiller, les amis. Hein. Chloe's stepdad is head of security. Merde. He wants to put surveillance cameras all over the school. Attends, on va voir ce bolos. Oh, c'est ce bolos. Oh, purée. Quel bolos. Chloe's stepdad is a veteran and a security guard. He must really hate her. Madsen, ok. Oh, purée, c'est un vétéran. J'aime pas trop ça, hein, parce que ça, ça veut dire... Waouh, attends. Merde, quoi. Et il manque une arme. I hope Chloe's stepdad isn't packing heat. Waouh. Il s'entraîne, en plus. Score. Ça m'inquiète celui-là. Hein. Ok, alors là, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je sens que c'est les embrouilles. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Placement des caméras? Attends. Wowzer. A map of Blackwell Academy. I wonder why. Should I switch the song? Decision. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For real? Blackwell? This guy has serious trust issues. Wow, c'est dans les chambres carrément. Chloe, do you know about this? Ah non, mais c'est peut-être chez lui. Ah, ok. C'est un choix majeur, là, les amis. Vous avez compris que... Ouais, donc il peut savoir exactement où je suis. Oh, les amis, j'ai eu un petit bug de choses. Alors, je vais pas vous mentir, hein, mais vous allez voir des choses qui vont être assez étonnantes. Et on va s'arrêter juste après ce que j'ai découvert. Alors, vous voyez que là, il y a un dossier. Donc, il y a un premier choix. Ça va être ouvrir ou allumer la télé, là. Parce que je me suis rendu compte qu'il espionnait, hein, ce cher David. Et vous allez voir ce que j'ai découvert juste après. Je pourrais pas sauver les dossiers, vous avez compris. Et regardez ce que j'ai trouvé. Ah, alors je vous promets que la prochaine fois je le ferai, juste avant de reprendre le truc. Il y avait plein de photos de Kate qui étaient prises en photo et il y avait marqué « She knows something ». Donc elle sait quelque chose. Kate, hein, vous avez vu, donc David, le mec de sécurité, avait... No password. Like it would help me find tools anyway.
Il y avait vraiment quelque chose sur ces photos. Il y avait Kate, hein, dans tous les sens. Et il y avait marqué, elle sait quelque chose. Je suis vraiment désolé, hein, parce que là j'ai eu un bug de Fraps, de 2 secondes. Donc ce que je vous laisse, c'est les 2 choix. Je pense que les outils, ouais, vont devoir, on va les récupérer la prochaine fois. Je vous laisse une grosse semaine. Est-ce que vous voulez que je laisse, je vous garantis, hein, là, je peux pas remonter les dossiers, c'est-à-dire que c'est pas possible, ils sont tachés. Il a des dossiers sur un peu tout le monde. La prochaine fois, je vous montrerai. En fonction de votre choix, où je les laisserai, hein, vous verrez. On va se quitter sur ça. Désolé pour la fin un peu chaotique, mais bon, malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. J'ai eu une coupure de frappe d'un coup comme ça, d'un net. Je vais vous laisser avec ce qu'elle a écrit sur le journal. Juste petite remarque. Donc, premier choix, est-ce que j'ouvre et j'allume le placard? Est-ce que j'ouvre ou je ferme ce placard? Est-ce que j'allume et ça aura des conséquences parce que je saurai qu'il espionne Chloé et la mère de Chloé. Et deuxième choix, est-ce que je cherche dans les dossiers, je saurais qu'il est en train de rechercher Kate et qu'il sait quelque chose sur elle, mais malheureusement je pourrais pas la sauver puisque vous avez compris que là les dossiers, il saura que quelqu'un est venu fouiller et chercher dans ces dossiers. Voilà. On va juste se laisser en faisant ça. Alors on revient. Parce que désolé, j'étais en train de lire aussi ça, je me suis rendu compte. Ça, je l'avais lu au début. Très belle Chloé, hein. Moi j'avais l'air d'une idiote, c'est un peu ça. Voilà les amis, donc on se laisse ici, je vais revenir au menu principal. Je veux pas sauvegarder ça. Donc vous avez 2 choix, est-ce que je touche au dossier? Je vous montrerai la prochaine fois, hein, vraiment l'image, parce que là, honnêtement, j'ai pas pu le faire. Je suis revenu en arrière, mais ça n'a pas marché. Elle ne voulait pas revoir ces images, mais vraiment, c'était des images très nettes où on voyait Kate se suivie, espionnée. Et les fameuses vidéoconférences, est-ce que j'en parle ou est-ce que je n'en parle pas? Ma vidéo était longue, j'espère que vous avez eu autant de plaisir. C'est un très très bon jeu, vous avez compris. Hein. C'est toujours... Ah, dernière chose, pensez que mon coming next est sur Smashing Pumpkins 1979. Et dernière chose, Warren G, n'oubliez pas, le easter egg qui était démontré. Tchou tchou. Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Then there's Chloe. Home, shit, home. Let's dance, or take my picture with your new camera. Come on, rock out, girl! Then something happened. Something that changed my life forever. Max, what's going on? Where am I? There's something else I have to tell you. Holy shit. Talk to me, Max. Whoa! No! I discovered I could reverse time. Max, start from the beginning. Hey! Max? Chloe? Oh! Get in, Max! In the bathroom today, you set off the alarm. You hella saved my life. Don't ever touch me again! Then I realized I had a choice. Hey, you okay? And the power to change everything. Can't stop.
Bang! What the hell? Come on, Slowpoke! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now?